Bona wenge na chipino na wapen na wapa mana pena uwayo wenge bojimbia ba na pana ba Ok, 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 j'arrête. Je sais que vous voulez que je continue, mais j'arrête. On va apprendre ce chanson aujourd'hui. C'est Charlotte Dipanda et Richard Bona. Bo Dim Bea. Mini Amba Tunga Malambelo. Saba Mini Amba Sabanya Konolelo. Ok, donc nous sommes dans la gamme de La. Plus tard dans le chant, il y aura une modulation, donc on va changer de gamme, une transposition. Mais le chant même est conçu de 4 blocs en tout. Donc, un bloc, c'est une suite d'accords. Et puis, ça commence avec cette belle arpège aussi. Donc là, en principe, on est sur l'accord de La. Mais il y a deux choses qui diffèrent de l'accord de La classique. C'est que la gamme, la note la plus grave ici, c'est le Mi. Au lieu du La. Donc, sixième corde, quatrième corde, troisième corde. Et au niveau de la deuxième corde, ils font. Vous voyez donc? Un, deux, première corde, deuxième corde. C'est ça donc qui donne cette identité-là à l'accord, à l'arpège. Donc deux, trois fois et puis le chant commence. Ok, donc voici comment il commence. Ok, ça c'est notre premier bloc. On a La. C'est normalement un Mi, c'est normalement un Mi que vous mettez ici. Mais à la basse, Richard Bona joue cet accord-ci, cette note-ci plutôt. Au lieu du Mi, il joue le Sol jazz. Donc ça fait. Et j'ai un peu triché comme ça. Mais vous pouvez aussi mettre le Mi là, ça va passer aussi. Ça c'est le Ré. Do, jazz septième. Ouais. Ou bien comme ceci. Si vous regardez sur Google, vous allez trouver. C'est un accord très commun, donc ce ne sera pas compliqué à trouver. Ensuite, Sol bémol mineur. Non, il n'y a pas ce doigt-ci. Mi. Vous revenez à Sol bémol mineur. Et vous partez sur le Si mineur septième. Ce qui est important, c'est que ce doigt-ci touche. La première corde, cinquième case. Et vous revenez sur votre accord du début, là, le La bizarre. Ok? Donc on reprend la ligne des accords. Ok, ça c'est le bloc A.
Le rythme, c'est... Je fais un peu de bossa. Donc là, j'ai le pouce et les trois doigts, c'est qui jouent ensemble. C'est comme ça que je joue de manière classique. Donc... Ok? Mais vous pouvez aussi jouer en slow normal. Ça marche aussi, chacun apporte de son truc. Ok, donc le chant continue avec une modulation. On était dans la gamme de La, on passe à la gamme de Sol. Avec l'accord de La mineur, donc le second degré du sol. Mais ça, c'est pour ceux qui veulent un peu de théorie. L'accord, ce sera La mineur. Le premier accord sera La mineur. La mineur. Ça, c'est l'accord qu'il faut que vous mettiez ici là. C'est le seul accord que j'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé avec l'oreille, donc c'est, je suis à 95% sûr que c'est cet accord-ci. Mais c'est possible que ce soit une autre. Donc, c'est un do. Do sixième ajouté de neuf. J'ai pas envie de dire des bêtises, mais en fait j'ai le do. Ensuite j'ai cet accord, cette note-ci qui fait la sixième du do et ceci qui fait la neuvième. Retenez la position seulement. 1, 2, 3. Donc le doigt-ci fait un barré ici. Le doigt-ci vient sur le do et celui-ci vient sur la quatrième, sur la troisième case, deuxième corde. Et puis maintenant, ça vous n'êtes pas obligé de le faire, vous pouvez rester ici comme ça. Ok, donc ça c'est le bloc 2. Ça, c'est le troisième bloc. Donc, quand on a fait, vous pouvez rester. Si vous ne voulez pas faire le truc, c'est Richard Bonin, c'est la basse qui fait ça dans le son originel. Mais vous pouvez passer d'ici et au mi. Donc, donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai Sol mineur. Ensuite, cet accord-ci. Je pourrais dire que c'est un mi. C'est un nom bizarre. Mais disons que vous avez le doigt si sur cet accord-ci. Le doigt si sur la note si. Et le doigt si sur la quatrième corde, quatrième case. On peut dire que c'est un mi sur sol jazz. Mais ça vous suffit seulement de mettre les deux accords, c'est comme ça. Les deux notes, si. Si vous les touchez aussi seulement ici. Donc, et le troisième accord sera le la. Donc, 1, 2, 3. Ou bien 1,
Ouais, je crois que le problème ici sera plus le rythme. Parce que ça accélère un peu sans vraiment accélérer. Donc, le chant devient plus dynamique. Mais le tempo est le même. Donc, je fais lentement. Do jazz mineur. Fa jazz mineur. Mi. Ok? Donc. Et maintenant, le pouce vient. Ça, c'est le troisième bloc. Le quatrième bloc. Là, vous allez. On revient dans la bossa nova. Et les accords sont si mineur septième, pas mi mineur septième, si mineur septième et le la majeur sept. Ouais, donc 1, 2, 3. Donc, là on est seulement sur les deux accords ci, et après on revient au bloc 3. Et puis c'est là que ça finit. On revient sur le la. Ok. Donc, le chant, ce qui sera compliqué sur le chant, ce sera la partie si, le bloc 3 si, parce que le rythme est aussi un peu différent. Et oui, et puis c'est le seul point fort du chant que j'ai trouvé. Sinon, le reste, c'est les arpèges normaux. Vous apprenez la bossa nova, vous n'êtes pas obligé de jouer dans ce rythme-là. Trouvez votre propre feeling en fonction du niveau que vous avez. Et c'est tout. Et on se voit la prochaine fois avec un autre chant, une autre leçon. Ciao!